bien bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la symbolique du blocage parce que ça fait quand même plusieurs semaines que l'on nous raconte que le pays va être bloqué. Alors bon, comme d'habitude, on joue à nous faire peur avec des mots, mais il y a une symbolique intéressante derrière le blocage du pays. Moi, je sors du forum de l'âme 2023. Qui était le premier forum que l'on refaisait en présentiel depuis le fameux confinement. La dernière fois que nous avons fait ce forum, c'était en 2020. Et en 2020, le lendemain du forum, une décision de l'État venait bloquer le pays. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'État qui a dit que l'on était en guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on était tous confinés, on n'avait pas le droit de sortir, puis ça a duré des années, et ça continue d'ailleurs encore maintenant, puisqu'il y a encore des passes pour certains endroits, on est obligé de... on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc., etc. Et donc, il y a eu un blocage du pays qui a été décidé par la tête pensante, hein, par le chef d'en haut, là, le gouvernement, gouvernemental. Et ça a entraîné un blocage du pays. Et puis là, on reprend le forum 2023 et on est en plein dans un autre blocage qui, lui, vient de la base, qui vient d'en bas, et qui vient des gens qui disent « nous, on n'est pas écoutés par le haut, donc on va bloquer le bas ». Et évidemment, la symbolique que l'on voit tout de suite, c'est que c'est la symbolique dans notre corps entre le je, l'ego de la tête, qui impose des choses au corps que le corps, à bout d'un moment, n'en peut plus et dit « je ne marche plus dans ce truc-là, je me bloque, je fais une maladie, je fais un burn-out, je fais quelque chose qui fait que j'arrête ». De répondre à ces injonctions mentalisées du haut qui me perturbent. Alors, donc, la question, c'est qui est-ce qui a commencé? Évidemment, celui qui a commencé à faire des blocages dans le pays, c'est l'État. C'est l'État parce que l'État, il symbolise les gens qui dirigent, c'est-à-dire le je, l'ego qui dirige. Et c'est lui qui, à force de faire des normes, à force de faire des contraintes, à force de faire des interdictions, des passes, des choses, parce que vous pouvez tout inventer avec la tête, eh bien, en fait, il est en train de bloquer le pays. Et il va continuer puisque les projets dans les cartons, voitures électriques, etc., etc., il y a plein de trucs qui vont être imposés à la base et des gens ne vont plus pouvoir circuler, être autonomes. C'est déjà le cas dans beaucoup, beaucoup de domaines. Il y a de moins en moins de liberté pour la population, c'est-à-dire symboliquement pour ce qui est en bas, c'est-à-dire pour le corps. Donc le blocage qui est en bas n'est en fait que le miroir du blocage qui a été décidé par le haut il y a des années. Ça ne remonte pas à l'épisode de sanitaire, ça remonte bien avant, ça fait des années et des années que la technostructure, les technocrates qui dirigent, bloquent petit à petit toute l'industrialisation, toute la... l'économie des pays, c'est comme ça. Donc, on voit cette symbolique et on se dit, quels sont les moyens d'action qu'on a là-dessus? Eh bien, pour chacun d'entre nous, le moyen d'action, c'est déjà d'observer, nous, si on n'est pas dans le même fonctionnement, au niveau de la tête, évidemment. Et est-ce qu'on n'impose pas à nos corps des choses qui les mettent en désaccord? C'est-à-dire, est-ce que nos corps sont respectés, sont écoutés, sont aimés par la tête, par le cœur? Ça, c'est déjà la première base. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le blocage du corps va révéler les problématiques de la tête. Et en l'occurrence, là, avec notre président actuel, on a eu des blocages qui concernaient, enfin on voit qu'il y a des blocages qui concernent l'énergie. Et l'énergie, vous savez que l'énergie c'est l'argent, l'énergie vitale, c'est un symbole de l'énergie sexuelle. Donc on a des blocages qui concernent la circulation d'énergie dans le pays. On craint des blocages de raffinerie, des choses comme ça, la hausse des prix d'énergie, qu'il n'y a plus assez d'électricité pour passer l'hiver, enfin vous voyez tous ces trucs-là, en fait sont une symbolique qui vient, alors qui est international aussi, qui vient du système, mais qui vient aussi de notre représentant. Et il y a une autre symbolique qui vient de notre représentant et qui est aussi visible en ce moment, qui est très amusante, enfin amusante pas pour ceux qui sont dedans, c'est la symbolique de la salissure.
C'est-à-dire que notre président est quelqu'un qui aime bien passer pour quelqu'un de propre, hein, c'est son énéatype, hein, il aime bien passer pour quelqu'un de blanc, propre, innocent. Et il avait dit il y a un an, je vais emmerder les non-vaccinés. Emmerder, c'est sale. Et donc, qu'est-ce qu'on voit se développer dans les médias? Ben, il y a de plus en plus de vidéos, de comiques, de gens qui salissent l'image de ce président-là. Pourquoi? Parce que lui a ça en lui. Hein, si ça le fait en écho comme ça, bah, c'est parce que lui, il a la même chose. Et on a vu, donc, du coup, le blocage du pays qui s'est manifesté par une grève des éboueurs. Et les éboueurs, bah, quand ils font grève, au bout d'une semaine, ça devient invivable dans les villes. Et d'ailleurs, les gens qui me regardent et qui sont dans les villes, ils en savent quelque chose. Et donc, cette symbolique du blocage du corps par le bas, hein, par le bas, c'est-à-dire par l'évacuation de ce qui est sale du corps, la merde, hein, puisque c'est le terme qu'il a employé, eh bien en fait, c'est ce qui nous arrive. C'est comme s'il avait créé ça il y a un an, puis que ça se manifestait petit à petit, et que le blocage du pays se fait par ce moyen-là. Donc vous allez avoir, dans les jours et les semaines qui viennent, à observer ces phénomènes-là, parce que le blocage du pays ou le blocage du corps, ça va se manifester par des désagréments, ça va se manifester par des violences. C'est obligé parce que le corps n'a pas d'autre moyen d'exprimer sa problématique, puisque lui ne peut pas parler. Donc le corps, il va parler par des symptômes. Et ça a déjà commencé d'ailleurs avec l'épisode du 49-3 et du passage en force, etc., etc. Et donc on va avoir de plus en plus de phénomènes qui vont toucher le corps France. Miroir du corps biologique. Et amusez-vous à observer dans quelle zone de votre corps ça se manifeste, quelle est la zone concernée, et vous verrez à ce moment-là quelle est la cause qui a été lancée il y a quelques mois ou quelques années, et qui sont inhérentes, les causes qui sont inhérentes à ceux qui nous dirigent. Et pas que le président actuel, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt, et puis analysez tout ça sereinement et essayez d'échapper à cette tourmente, tout simplement en observant que tout ça, ce sont des effets miroirs et que les causes, elles sont plus vieilles que ce qui se passe aujourd'hui et que ça, il serait peut-être temps d'en sortir. Allez, à bientôt.